Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un gâteau portugais, bolo de maçãs. Alors, il y aura de la cannelle aussi, je ne l'ai pas mis dans le titre parce que ça faisait un petit peu chargé. Voilà, pour ceci, il vous faudra 4 pommes que vous aurez pré-tranchées finement, 4 œufs, 100 g de beurre pommade, 250 g de sucre, 250 g de farine, une cuillère à café de levure chimique, le jus d'un demi-citron, de la cannelle et du sucre glace. Ça, c'est pour les ingrédients. Vous allez au préalable beurrer et fariner votre moule. Et on commence. Alors, le jus de citron, je vais enlever comme ceci. Voilà. Vous versez votre jus de citron sur vos pommes. Et vous mélangez. Vous réservez. Donc voilà. Alors, vous prenez en premier votre sucre, votre beurre, et vous allez venir fouetter. Alors ensuite, une fois que la pâte est bien faite, prise, excusez-moi, alors vous versez un peu dans votre moule. Bon, moi le mien est en silicone, c'est pas pratique. Je vais essayer de vous faire voir. Maman, tu peux le faire. Voilà, alors une couche de pâte, une couche de pomme, une couche de pomme. Ensuite, une couche de cannelle. Enfin, vous saupoudrez de cannelle une couche. Et encore. Thank you.
faites un peu comme un marbré, c'est pas grave s'il n'y en a pas de partout. À la cuisson, ça va gonfler, ça va recouvrir. J'espère. Voilà. Alors maintenant, votre gâteau va partir dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 40 minutes. Vous surveillez si en fonction de votre four. Voilà, votre gâteau est cuit. Et ensuite, c'est pas une obligation, mais vous pouvez parsemer de sucre glace.